Salut Bernard. Ouais, salut Victor. J'ai absolument besoin que tu m'aides. Dis-moi pourquoi. Bah parce que regarde un peu comment je suis habillé. Ce soir, je cuisine pour les coureurs. D'accord. J'ai besoin de tes secrets. Et t'as maigri un peu, non? Toi aussi. T'es bien invité. Alors, les coureurs, cassaient la croûte. Ouais. Alors, écoute, ça tombe bien, regarde. J'ai un poulet au four. Regarde. Hop. Tu vois? Ah, que c'est beau, ça. Alors, c'est un peu la spécialité de la maison, tu vois. Ouais. Alors, les coureurs, comme je pense qu'ils ont besoin un petit peu de force, regarde ce que j'ai prévu. Et il faudra pas le dire au coach, hein, parce qu'il va pas être content. Je le dirai pas à la nutritionniste. Voilà, et voilà, regarde. Ah, ça c'est magnifique. Regarde, hein. Hop. Flambé à l'absinthe. Alors, tu sais, c'est pas commun de flamber le poulet à l'absinthe, parce qu'on flambe toujours au cognac, à l'armagnac. Mais ça donne un petit goût anisé qui est extraordinaire avec le poulet, quoi. Et ça, quand ils vont pédaler, demain, ils vont y repenser. Demain, vous gagnez l'étape. Alors, il y a une chose, si vous gagnez l'étape, je veux le bouquet de fleurs. Hein, ok. Pas de problème. Voilà. Alors, toi, et pour finir, pour agrémenter ce poulet, j'ai fait une petite sauce aux morilles. C'est la saison des morilles tout de suite. Hein. Voilà, il y a sauce aux morilles, morilles françaises. Et comme ça sent bon. Ah oui, oui, oui. Hein, ça sent magnifique. Hein. On va découper le poulet, on va arroser le morilles. Voilà. Simple, mais bien fait avec des bons produits de saison et de qualité. Voilà. C'est important, le produit de saison et le produit de qualité. Comme le jarret, toi. Bon jarret français pour appuyer sur les pédales, tu vois. Ok. Avec ça, pour moi, ça va être parfait. Alors, on découpe et on casse la coupe. Bon. Parfait. On y va, Bernard? Allez, on y va. Je te le prends? Vas-y. Et moi, j'emmène la sauce. Bernard, merci beaucoup pour cette petite surprise et puis surtout tes conseils. Ouais. Parce que comme ça, je vais pouvoir. J'en ai un dernier conseil pour toi. Tiens, regarde. Hey, petite bouteille d'absinthe. Je te mets ça dans le bidon. Allez, bon courage à toi. À bientôt. Salut Bernard.